La lutte, c'est pas forcément un sport super bien payé, mais c'est vrai que quand j'ai commencé à avoir mon contrat avec la RATP, je venais à peine d'être majeure, j'avais pas forcément de salaire et ça m'a toujours aidé à pouvoir avancer sereinement au niveau de ma carrière sportive. J'ai commencé mon contrat avec la RATP en 2017. C'est un contrat d'image, ça nous aide chacun de notre côté, ils peuvent nous mettre en avant, mais ça peut aussi les mettre en avant, donc on a toujours trouvé un accord. Ça me permet d'assister à certains événements. En avril, on a inauguré le tunnelier du prolongement de la ligne 14. La bouteille, elle est au bout d'un ruban, donc... Mais je la laisse partir ou je l'envoie? Tu lui donnes un peu de vitesse, mais... J'ai été élue marraine du tunnelier de la ligne 14, vu que je suis originaire d'Essonne et que maintenant j'habite dans le Val-de-Marne. Donc ça fait la liaison entre les deux. C'est assez impressionnant de voir un tunnelier à mon nom. J'ai jamais vu un tunnelier de ma vie à la base. Et en plus, c'est immense, donc vraiment, c'est super. J'étais marraine du tunnelier, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai vu les enfants qui avaient voté pour que je sois marraine. Bonjour tout le monde. C'est la première fois que je vois vraiment les personnes qui ont voté pour moi et qui m'ont permis d'être la marraine du tunnelier. Donc vraiment, merci à vous tous. Ce qui est bien avec les plus jeunes, c'est que vraiment ils écoutent tout à 100%, ils sont trop à fond et tout. Donc, par exemple, je sais que moi, je vais avoir plus d'impact si je dis à un enfant de se mettre au sport, peut-être que sa sœur ou son frère, parce que il voit en fait quelque chose de différent en moi. Donc, je pense que ouais, c'est bien d'aller à la rencontre des enfants. J'ai eu plein de dessins, j'ai eu plein de cadres, des dessins qui me ressemblent quand même. Donc, ouais, franchement, c'était top. Le contrat que j'ai avec la RATP, ça me permet d'appréhender d'une autre façon en fait, ma saison sportive parce que j'ai pas besoin vraiment de me focaliser sur l'argent ou sur autre chose. Je peux être sereine en fait.